Eh bien bonjour à tous les amis, bienvenue à vous pour cet épisode 19 du Let's Play Banjo-Tooie, j'espère que vous allez bien. On se retrouve, la dernière fois, enfin non pas comme la dernière fois, mais à la fin de l'épisode 18, du coup on s'était laissé à côté de la maison de Mumbo, du crâne de Mumbo. Et ça va être intéressant, je pense que cette transformation va nous être très utile puisque... on a vu de nombreuses plateformes qui permettaient de faire jouer Mumbo. Je pense très sincèrement que ça va être très utile et notamment on m'a dit ça par rapport à la transformation en fait de Wumba, que je trouvais pas génial sur le moment, mais apparemment il y avait une plateforme de Mumbo juste en face, donc ça doit certainement jouer et apparemment elle pourrait être un peu mieux grâce à ça. On verra bien, de toute façon nous verrons bien. Mais pour l'instant voilà, donc on va essayer d'explorer un petit peu plus quand même ce niveau en détail puisqu'on l'a exploré un petit peu vaguement les deux dernières fois. Alors, elle était ici cette plateforme déjà, bon ça je suppose que... je suppose rien du tout, je sais pas du tout ce que ça va faire. Oui ça va fonctionner, t'inquiète pas. Pierre de guet, agrandir pierre de guet. Donc en fait ça va nous créer un chemin je suppose. Ah voilà, bon, ça... C'est ce que je pensais. Heureusement parce que sinon je sais pas trop comment on aurait pu faire. Bon, du classique hein, pour l'instant très très classique. Faut quand même faire attention hein. On va le balader un petit peu notre Mumbo du coup, puisqu'il va falloir l'emmener dans de nombreux endroits. Ah oui, il y a cet œuf là qu'on ne peut pas toucher pour l'instant. Enfin, si je peux, mais il faut séparer Banjo et Kazooie, c'est galère. Et puis vous m'avez dit que c'était pour avoir des pages de code, donc moi ça ne m'intéresse pas des masses au final. Alors, ici on va arriver donc du coup chez Wumba. D'ailleurs, vous me l'avez fait remarquer, mais il y a une faute dans le texte que j'ai même pas fait gaffe. À un moment elle dit « Bienvenue chez Wumba ». Alors sur le moment, quand j'ai regardé le montage, je me suis dit « Mais attendez, c'est moi qui me gourre depuis le début ou c'est juste une faute dans le jeu ?» Et non, apparemment c'est bien une faute dans le jeu. Du coup, qu'est-ce que ça va faire là ? Wigwam de agrandir, wigwam de... D'accord, ça va juste l'agrandir. Oh mais attendez, d'accord, ok. Je commence à peut-être visualiser ce qui va se passer. Si du coup on agrandit donc la caverne de tout ce que vous voulez de Wumba, ça voudrait dire que la transformation... Non, c'est pas ça que je voulais faire, mais c'est pas grave. Ça voudrait dire que la transformation... Oh mais non, mais je me cours, oh là là. C'est génial. La transformation du coup en dinosaure serait genre 4 fois plus grande. Ça, ce serait démentiel. Ça, effectivement, ah oui, effectivement, là, ce serait genre génialissime à voir. Mais très clairement, je m'attends à ça. Vu qu'on a agrandi sa petite maison, à mon avis, il y a un truc comme ça. On va voir, on va y aller directement de toute façon. Sachant qu'on a récupéré quand même aucune pièce hein, depuis le début, ça fait quand même trois, c'est le troisième épisode là. Il va falloir se bouger. Bon alors, transformation. Qu'est-ce que ça va me donner? Ah oui! Ah oui, d'accord! Wumba appelait ceci Papa T-Rex. Utiliser stick analogique gauche, ok, pour déplacement. X pour faire beaucoup bruit. Ah oui! Ah oui! Alors, petit T-Rex est un petit peu plus grand quand même maintenant. Bon, certes. Oh, waouh! Ah, d'accord, oui, c'est beaucoup... Ah oui, et puis la manette vibre un petit peu. Hein. Très bien. Ah oui, c'est pas mal du tout, effectivement. Ah, et du coup, on va peut-être pouvoir appuyer sur ces gros boutons. D'accord. Ah, très bien. Donc déjà, on va pouvoir récupérer un... Ah mais oui, mais attendez, il faut du temps quoi, non mais... Oh les gars, s'il vous plaît. Bon, on fera ça un petit peu plus tard. Ça, il y a un petit bouton là. Oh là là. On active la gare. On y était allé la dernière fois, mais alors ça c'est un faux... Non, ça c'est le timer de tout à l'heure, on est d'accord, hein, c'est pas pour la gare. Ah oui d'accord, non mais ça fait un boucan le truc, ma manette vibre à fond quoi. Oui très bien. Je suppose que je me fais pas toucher par les trucs qui sont dans l'eau là hein. Voilà, les machins, il suffit que je passe dessus et je tue tout le monde. Oh c'est énorme. Oh c'est génial, j'adore.
C'est vraiment génial quoi. Bon, ça c'est pas grave, hein. J'y retournerai après, mais bon, là je préfère explorer tout comme ça. Très bien. Ah, tiens, j'avais pas vu ça, mais il y a un bouton avec Kazooie. Très intéressant, faudrait que je note. Bah, certainement pour un autre Jinjos. On peut récupérer. D'accord, ok, on pouvait récupérer ça avec le T-Rex. Très très bien. Ça me va. Ça me va. Des œufs en haut, ok. Alors lui. Est-ce que si je fais ça, il a pas peur? Non, non, il s'en fout, hein. Ok, donc ça c'est le début du niveau. Ouais, faut que je réexplore tout du coup, hein. Bon, les petits trous comme ça, je peux plus passer du coup. Ah oui, c'est ça que je voulais voir. Est-ce que je peux pas genre appuyer sur ça là? C'est encore un Jinjos. Bah, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de Jinjos qui sont bloqués là. Est-ce que je pourrais passer éventuellement ici? Non, hein, je suis beaucoup trop gros. Ça, on l'a déjà vu. Et puis là, je peux pas. Ok, bah, on est quand même assez limité. Dans le sens où bah, on n'a pas accès à tout, forcément. Je piche pas trop pour l'instant. Le cri, ça doit me servir à quelque chose. Mais pour l'instant, ouais. J'ai pas vu trop pourquoi. Est-ce que je pourrais éventuellement passer ici? Bonne question. Oh là là, mais c'est tellement énorme comme gameplay. Oui, non, je suis tombé à la fin quoi. Bon, normalement je peux, hein. Je vais réessayer, mais normalement on va pouvoir. Non mais faut que je fasse ça sans attention aussi. Si je fais n'importe quoi, c'est normal que je ne puisse pas. C'est bon, je vais y arriver. Je vais y arriver, vous inquiétez pas. Ok, bon, de toute façon lui, hein, Osef. C'est bon, on est passé. Et normalement, c'est un endroit qui est fait pour, vu l'emplacement du truc. Ah mais on revient ici, ok. Bon, bah, on a un peu fait le tour. Est-ce que on a vraiment besoin... Enfin, est-ce qu'on peut explorer d'autres trucs, quoi? C'est ça que je me demande. J'ai pas l'impression, hein. Pour l'instant... Peut-être plus tard, mais... Bah, du coup, ce qu'on va faire, on va activer ça. On va vite se dépêcher. Allez, on se grouille. Histoire d'aller le récupérer, ce Jinjos, déjà. C'est une bonne chose de faite. Ah, le timer s'arrête pendant la transformation. Bon, ça, c'est bon à savoir. C'est toujours ça. Ok. Bon, normalement, j'ai large le temps. Si là, j'y arrive pas, franchement, c'est qu'il y a un souci. Ah, ouais, j'ai large le temps. Très, très bien. Alors, si c'est un faux, par contre... je suis deg, hein. Non, c'est bon, c'est un vrai. Faut pas abuser. 6 sur 8. C'est pas mal. Je crois qu'il y en a un autre de cette couleur en plus, juste à côté. Alors, ça. Ça, c'était pour le train, donc c'est activé. Il n'y a plus de problème. Il y en avait un, mais je crois que c'était un faux, hein. Le jaune. Parce qu'il me semble que j'y suis déjà allé, donc voilà. Il y a quoi là en haut? Ça me paraît bizarre. Pourquoi juste une plateforme ici? Il y avait quelque chose ici, je crois. Oui, il y avait certainement quelque chose. Non, moi je voulais aller vers le lac. Parce que vers le lac, il y avait un Jinjos à libérer. Je vais le faire tant qu'à faire. On sera débarrassé. Par contre, eux, du coup, vont commencer à me saouler. Puisque je ne peux plus. Je ne peux plus les passer. Je ne peux plus les tuer automatiquement. C'est très triste. Mais il y a un endroit ici aussi. Attendez, j'ai pas fait gaffe. Est-ce que j'y suis allé ou pas du tout? Oula, non, ça me dit rien du tout. On explorera juste après, hein. On verra juste après ça. Je vais juste aller libérer ce Jinjos. Enfin, je pense que c'est lié ça. Du coup, faut que je me rappelle les commandes parce que ça, à chaque fois, c'est galère. Voilà. Voilà. Et c'est A ou X? Bonne question. Ok, c'est A. Très bien. Voilà, parfait. On libère ça. Alors, je suppose qu'on est timé. On n'est pas timé. Ah. Bonne nouvelle. Bon, si ça se trouve, c'est un faux, hein. Faux espoir. Non, c'est bon. 7 sur 8, hein, mine de rien. Il nous en manque un. Je pense pas que le dernier soit dans ce niveau, mais bon. Sait-on jamais. Du coup, eh bien, on va finir là-dessus. Y'a quoi ici? Intérieur de la montagne. Ah, mais non, mais c'est vachement gros. C'est
très très grand. Oui, j'ai vu qu'il y avait cette possibilité de transformation. On verra un peu après, parce que pour l'instant, je vais commencer à explorer déjà. Je pense qu'il y a, un truc à faire avec le niveau de l'eau. Hein. S'il y a ce truc là en bas, c'est qu'on doit certainement pouvoir le monter, ou un délire comme ça. Hein. Il y a une note ici, donc un truc de cheat code. Ok. Ah, il y a une plateforme de téléportation. Non, qu'est-ce que c'est? Alors tiens, qu'est-ce que c'est que ça? Ah mais attendez, c'est pour voler? Ah ça c'est nickel, parce que justement j'allais faire la remarque. Je me disais, on n'a pas eu énormément de séquences comme ça en l'air par rapport à Banjo-Kazooie. Banjo-Kazooie on en avait quasiment chaque niveau. Enfin, il me semble, après je peux dire des conneries mais... Alors, attention par contre. Wow! D'accord. Ok, d'accord, très bien. Ça, je m'y attendais pas, par contre. On se calme. Mais qu'est-ce que je vais faire, là, du coup? Oui, oui, c'est bon. Je le sens pas bon, c'est ça. C'est... je crois qu'il a... Ah oui, d'accord, il a carrément faim, en fait. Oh, nickel! Dans l'estomac de Chompa! Vous pouvez m'entendre là-dedans. Je ne vous digérerai pas si vous m'aidez avec mon problème d'estomac. Vous écoutez ce qu'il faut faire? Ah oui, oui, très bien. Oh, nickel! Ces terribles ulcères blargues apparaissent dans mon estomac et me font vraiment mal. Je voudrais que vous les détruisiez avant qu'ils disparaissent à nouveau. Les bleus valent... Oui, bon, d'accord. Ok, le mec, il a des trucs qui valent des points, quoi. Les bleus, 3 points. Bon, ça, c'est le blabla habituel. Ça fait longtemps aussi une petite séquence comme ça. 75 points. Vous me soulagerez énormément. Et on aura bien sûr une récompense en pièces, hein. Allez, nice. Ah oui, alors par contre... Oh mais c'est énorme. Moi j'adore, franchement j'adore ces séquences de gameplay là. C'est génialissime. Sérieux. C'est énorme. Ça me fait penser à dans Zelda Ocarina of Time, pareil. Quand on entre dans le ventre de Jabu. C'est un petit peu... C'est un peu le même design au final. Allez, il faut 75 points, hein. C'est faisable hein, dans ce genre de mini-jeux. Et mais d'ailleurs, je trouve, en revenant sur Banjo-Kazooie, je trouve que les mini-jeux sont plus simples que Banjo-Kazooie. Là, et Banjo-Kazooie, je me souviens, il y avait des trucs que j'arrivais pas à faire, quoi. Là, si j'y arrive pas, c'est vraiment que il y a un souci. Bon, faudrait quand même pas que je parle trop, parce que, mine de rien... Oh, si, c'est bon. J'ai eu peur pendant un moment, mais... Ah mais je peux rester appuyé en plus, depuis tout à l'heure j'appuie sur la gâchette mais j'ai le truc d'œuf d'or là. Ah bah bon, en fait c'est beaucoup trop simple. Ah je me sens mieux, j'ai avalé ça il y a un petit moment, pensant que c'était un biscuit. Prenez-la avec vous avant de partir. Ah bah notre première pièce, alors attendez, je vérifie quand même, est-ce que c'est bien notre première pièce de ce niveau? Parce que j'ai pas l'impression d'en avoir ramassé d'autres. Oui non, c'est notre première pièce, très bien. Parfait. Bah enfin, hein. Migrez-vous. Faut-il vous rejouer? Non. Bon, bah, c'est une pièce plutôt simple. Alors, ça a pas l'air d'être le boss, parce qu'à chaque niveau, il y a un boss. Je pensais que c'était celui-là, vu que, comment il nous a bouffé, mais... non, fallait juste l'aider. Très bien. Alors, peut-être qu'il va se rebeller et qu'il va nous attaquer, hein, mais... C'est bon, il nous laisse tranquille. Bon, bonne nouvelle, hein. Du coup... qu'est-ce que c'est que ça? Activons ça. Ah bah voilà, c'est bien ce que je vous disais. Une plateforme. Ok, on a des bottes. On a des bottes. C'est pour sauter où? Ouah. Il y a un truc en haut. Vous pensez que ça nous mène en haut de la montagne? C'est possible. J'ai envie de... Alors attendez, parce que là, ça va clairement pas être suffisant, hein. Ça nous fait sauter haut, mais faut pas abuser non plus. Mais, vous savez qu'avec Kazooie, quand on a testé, ça nous faisait sauter encore plus haut que ce que je pensais. Et j'ai envie de tester. Juste par curiosité, hein. Non. Hop. Très bien. Mais d'ailleurs, on a appris un mouvement avec Banjo, et je sais même plus ce que c'est. J'ai carrément oublié, quoi. C'était dans l'épisode précédent et j'ai carrément oublié. Alors du coup ça nous fait sauter où? Ouais c'est haut mais c'est pas non plus abusé, la mort qui tue.
Doit certainement y avoir d'autres trucs à faire quand même, hein. On a des plumes, bon, ça d'accord. Ah non, je sais, mais en fait, non, 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 j'ai compris. Je pense qu'on n'était pas censé. Si vous voulez, je pense qu'on n'était pas censé. Ouais, non, non, je pense avoir compris. On n'était pas censé arriver en haut, pile en haut ici. Je pense qu'on était censé arriver là, activer le truc, avoir les bottes et aller directement en haut de la plateforme avec Banjo et Kazooie pour que ça active le boss. Mais moi j'y suis allé directement pensant que voilà, il fallait aller là directement. Et donc du coup ça m'a déclenché la séquence du boss direct. Mais voilà, ok, donc ça veut dire que finalement on n'a pas besoin de ça. J'ai quand même envie d'explorer sous l'eau parce que vous n'allez pas me faire croire qu'il y a que ça à explorer. Enfin, vous allez pas me faire croire qu'il y a que ce truc-là, que ce boss. Enfin, c'était même pas un boss. Ce mini-jeu. Bon, il y a des espèces de trous, mais je pense pas. Non, il y a carrément rien. Par contre, j'ai quand même envie de refaire une petite séquence de vol. Pour voir ce qu'il y a en haut. Parce que je vois un truc en haut. Je vais certainement... Ah mais waouh, ok d'accord, très bien, alors faut le voir hein, le truc. Je sais pas si vous voyez là, mais là, on commence à le voir. Il y a carrément... Ah ouais non, d'accord, ok. Ah et on peut... Ok, on peut séparer Banjo et Kazooie ici aussi. Pourquoi, je ne sais pas. Au final, j'ai pas trop compris, la séparation en bas, elle me sert à rien. Ou j'ai rêvé. Et là, elle me sert à quoi? C'est bizarre, hein. Soit j'ai loupé un truc, soit je ne sais pas. Le panneau du coup. Vous avez des trous dans votre nid. Ok, très bien. Les indications à la con, je m'en passerai bien. Bon, non, je suppose que c'est... Ah, d'accord, ok, parce qu'il y a un œuf ici. Ah. Et du coup, je comprends mieux l'intérêt de ça. Bon, on va le faire, hein. Étant donné qu'on peut... Je suis pas à ça près. Par contre, ça, j'avoue que c'est tentant. Ah mais je peux pas monter moi du coup. Et ils veulent que je fasse comment? Non parce que bon. Comment ils veulent que je fasse, sérieux? Pas compris là. Je n'ai pas compris. Bah non parce que je peux pas utiliser... Non 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 non, je peux rien faire là. Vu que je peux pas monter à ça avec Kazooie. Ah ouais, alors là. J'ai quand même envie de tenter un truc. Est-ce que je peux faire passer le robot ici devant? Oh, nice! Et bien sûr. Ouais, non, je suis trop léger pour activer ça. Par contre, je peux quand même explorer là. Ni de Terry. Bon. J'ai pris un peu trop de temps. J'ai envie de retenter parce que ça me paraît intéressant. Allez go. Bon, il va pas très vite en plus notre petit oiseau, mais ça c'est un détail. Allez, dépêche-toi. Go 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 dans le trou. Il y a quoi dans le trou? What? Oh vite vite la téléportation, vite 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 vite. Non. Mais attendez, mais c'est où là? Mais j'ai envie de retenter pour activer la téléportation. Je sais pas si c'est possible, très clairement. Mais alors si c'est possible, c'est carrément n'importe quoi. On va longer pour aller un petit peu plus vite. Allez allez allez, je sais qu'on peut le faire. On peut le faire. On peut. 4, 3. Oh, j'ai réussi. Alors, ouais. Est-ce qu'on était censé faire ça? Je sais pas. Clairement. Mais j'ai réussi. Bah, profitons-en. C'est peut-être une faille du site. Non, j'en sais rien. Alors là. Est-ce qu'on était censé faire ça, clairement? J'ai des doutes. Maintenant, bon, bah voilà. J'ai quand même réussi à le faire.
Pourquoi pas, hein, au final. Bon, et tu vas te tenir bien. Merci. Bon, bah voilà. Sympa, bizarre quand même. Parce que. Comment j'y ai accès en haut là? Non, ça, si ça se trouve, c'était vraiment ça qu'il fallait faire. Hein. J'avoue que j'ai quand même du mal à me dire qu'il fallait penser à faire ça. Parce que. Bah, c'est pas la première chose à laquelle j'aurais pensé. Mais bon. Pourquoi pas? J'ai oublié un truc là, apparemment. Regardez. À gauche là. J'y suis pas allé là. Ça me dit absolument rien. On va y aller quand même. Ouais, très bizarre. Honnêtement, bah, c'est ça, ça l'a pas activé, hein, la plateforme de téléportation. Donc j'irai voir. Ça me dit rien ici. Si ça se trouve, j'y suis allé et c'est complètement débile ce que je fais, mais je vous jure que ça me dit absolument rien. Ah non, j'y suis pas allé, sinon il y aurait pas un rocher là. Bon, déjà, ça me rassure. Monte. Hop. Allez, on va détruire ça. Nickel. Et on trouve un parchemin. Ok, bon, bah voilà, au moins c'est fait. Et eh bien, ce qu'on va faire, je vais quand même me téléporter. Je vais juste me téléporter. Voir si déjà ça a fonctionné. Mais c'est possible que ce soit ça, hein. Mais ça me paraît très bizarre quand même. J'avais pile le temps et tout. Non, franchement, sommet de la montagne, c'est bien ça. On y est. Donc ça a fonctionné. Par miracle. Mais j'y a... En fait, je dis ça. Mais j'y avais peut-être accès avant au final. Hein. Clairement. Wow! Faites attention ou vous. Vous faites vos trucs, hein. Oh, mais j'y avais peut-être accès, hein. En final, c'était peut-être un. Voilà, j'ai peut-être pris un raccourci, mais j'avais peut-être accès à cette zone même sans ça. Donc, bon, je vais pas. Voilà. Je vais pas chercher à comprendre. Attendez, je vais juste aller ici. On récupère ça. Et écoutez, les amis, on va se laisser ici pour cet épisode. Au final, on aura eu quand même une pièce, mine de rien. C'est quand même pas mal par rapport aux autres. Et on a découvert quelques séquences intéressantes. Non, là, c'était pas mal. Honnêtement, c'était pas mal. En tout cas, voilà. Merci d'avoir regardé cet épisode. N'hésitez pas à commenter, liker, tout ce que vous voulez. Et moi, je vous dis à la prochaine pour l'épisode 20, du coup. Allez, ciao, ciao.